cheveux ou ap kase, ou gen chit, ou gen problème santé, ou besoin conseil sur nutrition ak sport, émission bien-être et beauté, c'est un espace côté nous discuter des impacts la santé, la propreté ak environnement gagné sur bien-être moun. Émission bien-être et beauté a passé chaque samedi 7h PM, mardi 7h AM, vendredi 4h PM. Émission bien-être et beauté, c'est une émission tout neuf qui a passé chaque samedi à 7h PM. Relais Centraca dans 43 06 42 85 pour information. Émission bien-être et beauté pour être belle et en santé. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, bonjour, bonsoir, bienvenue dans l'émission Paula, émission Bien-être et Beauté. Émission Bien-être et Beauté est une émission qui passe chaque samedi à 7h PM, chaque dimanche à 2h PM, chaque mardi à 8h AM. Jeudi, dans l'émission Bien-être et Beauté, nous allons parler nous toujours dans bien-être, nous toujours dans beauté, mais jeudi, on a fait une émission 100% bien-être, parce que nous allons parler de environnement et santé. Et pour nous et fait ça, nous, comme d'habitude, c'est moi-même, Léonie De Rose, infirmière tricologiste, qui a présenté l'émission ça aujourd'hui. Et bien, comme invité, M. Louis Vanel Généus, qui sont spécialistes. Je nous dis, ça veut dire les médecins, et puis ils ont spécialité en gestion risque sanitaire. Et M. Généus, Dr. Généus, tellement en pile dans Dr. Généus, ça, Rowan, nous sommes bienvenus dans l'émission Bien-être et Beauté, nous sommes bien contents de gagner dans l'émission. Bien, merci Léonie. Donc, c'est pour moi un grand plaisir pour être capable d'accepter l'invitation juste pour participer dans l'émission, ça, pour nous parler un peu de santé et environnement. Santé et environnement. Mais je prends mon Dieu en faveur juste pour prendre une seconde pour moi saluer téléspectateurs, téléspectatrices et puis internautes qui plusieurs. Côté que nous avons pris du temps ensemble avec eux, juste pour nous faire une causerie, que j'en ai dit, pour nous parler un peu de comment il est capable d'important la question de santé avec l'environnement pour la vie quotidienne. Bon, c'est très bien parce que nous toujours, c'est toujours intéressant parce que l'émission est disponible sur YouTube. Okay. Nous toujours dit tout le monde, mais qu'on est là, bien content de mise au point ça fait pour nous. Bon, c'est professeur, toujours mettre un petit bar en plus. Si on monde qui a suivi l'émission Bien-être et Beauté, c'est la première fois passer sur le plateau. Ou t'as aimé présenter tête ou parler de où? C'est qui est ce monsieur Généussier, docteur Généussier? Là, tu m'as demandé de faire la chose la plus difficile pour moi, pour mon monde professionnel, c'est de pouvoir me présenter. Parce qu'en effet, du fait pour mes plusieurs chapeaux, mes plusieurs casquettes. Mais selon le contexte de ton émission, je vais pouvoir choisir un chapeau juste pour pouvoir me présenter. Et pas de problème. Comme tu as dit, je suis docteur Généus, Louis Vanel. Je suis professeur à l'université et aussi j'ai un master et une spécialité en gestion intégrée des risques sanitaires. Donc, au fait, en termes de formation, c'est un peu en Europe, soit Belgique, tantôt Belgique, tantôt la Suisse. Et puis, comme formation de base, j'ai été à Cuba. Maintenant, je me considère surtout comme un promoteur de ONELF. ONELF qui est une approche, une nouvelle approche, c'est même pas un concept, c'est une nouvelle approche de santé publique juste pour pouvoir aborder les problématiques de santé publique. Moi, je te dis que je suis un adepte ou un promoteur de santé publique. Déjà, je fais partie d'un groupe scientifique international qui prône le One Health. Donc, je pense qu'à travers le débat, ou du moins c'est notre causé, on va pouvoir parler davantage de One Health à travers santé, environnement et santé. On peut nous entrer dans le débat et environnement et santé avec approche One Health. Et émission ça me toujours voulait que les monde fini parce que il y a des monde qui a cahier dans main yo a plume yo crayon ça au gain pour prendre note. L'en dit One Health son mot anglais. Ça veut dire One Health faut capable traduire soit en seule santé soit une santé. OK. Et nous parlons dans qui sens c'est son concept lié en seule santé, nous parlons dans ce sens c'est dans un sens de globalité, nous parlons ça. Mais c'est n'a pas une définition pour terme émission, par exemple, nous dit environnement et santé. C'est deux termes, deux concepts, comment nous définissons dans un terme simple, clair? Dans un terme simple, clair, nous ne pouvons pas définir santé à part, nous ne pouvons pas définir environnement à part. Nous avons fait plutôt considérer et un format qui peut être capable de considérer pour nous après comme et guide émission, qui c'est une interaction entre environnement et santé.
nous-mêmes, l'homme qui est bénéficiaire de santé, et puis l'environnement qui offre nous tout ça pour nous-mêmes, nous jouer de bien-être que l'environnement apporte pour nous. Maintenant, il va falloir que nous-mêmes nous décider est-ce que nous voulons bien servir à l'environnement ou est-ce que nous mal servir. Si nous servons bien, eh bien, nous avons un bonheur, le bien-être que nous-mêmes apprenons, et puis si nous servons mal, c'est maladie, c'est mauvaise santé et puis la mort. Oui, ça vient mal idée parce que normalement, penser me développer pour porter pour mon Dieu, c'est tout être utile ou nuisible à la santé selon son usage. Yeah, et penser ça est de M. Vanel et Dr. Généus. Donc, j'en ben gen moun ki n'a pas d'accord avec oui, sous penser ça. C'est vrai. Ou konn pou ki ça? L'autre dit tout est utile ou nuisible à la santé. Nous pas le contexte et puis ou pas le qui ça nous fait pas là. Au fait, une première bagarre, c'est que on n'est pas seul. On n'est pas seul, Léonie. C'est que l'homme nous fait partie d'un système. Et ça, c'est ça, on parle pas l'écosystème. Écosystème. Ok. Donc, côté que dans système ça, nous jouons environnement qui prêt pour nous tout ça nous besoin pour nous vivre. Ou bien tout ça nous besoin pour nous jouir de bien-être nous. Comme on a dit, bien-être et beauté. Bon, si vous avez bien-être, vous êtes capable de beauté. Oui. Donc, dans l'environnement, nous avons l'oxygène, par exemple. Qui est-ce qui a l'oxygène? C'est les plantes, c'est les arbres qui ont l'oxygène. L'environnement, bah, nous, il est disposé pour nous de l'eau pour nous boire. Nous boire, nous faire l'autre usage ensemble avec l'eau. L'environnement encore, bah, nous manger pour nous manger. So, quel que soit manger au niveau de végétal ou si manger du point de vue animal, mais y a là l'environnement, y a tout disposé pour nous, juste pour nous jouir de nous-mêmes. Maintenant, ça c'est utilité environnement. Ça c'est partie par environnement. Oui. Et comme si nous avons c'est deux parties qui en face, une en face l'autre. Et y a condamné pour vivre en symbiose. Symbiose c'est on partage à bénéfice réciproque. Ok, grand interaction. Environnement bas ou même bas. Donc on responsabilité partagée. Oui. Environnement a une responsabilité en termes d'action qu'il a posé, ou même l'homme a une responsabilité envers l'environnement en termes d'action a posé. Voilà maintenant je viens de parler de l'oxygène qui est disponible au niveau de l'environnement pour nous-mêmes, jouer de lui-même, et puis nous-mêmes l'homme nous décider à couper le bois. Donc, on peut comprendre que couper le bois, feedback que l'environnement pas le forer pour lui-même lorsque il gagne pour le forer feedback par là, il pas pour un bon feedback parce que au couper ça que lui-même peut boire au couper ça que lui-même il était disposé pour le baou comme bonheur. Nous parler de l'eau par exemple. L'eau nous jeune dans rivière dans source etc. Pourtant ou même on décide de prendre l'eau ou faire plusieurs activités là-dedans sans contrôle, c'est même que ça ou prend ou entre la car ensemble avec ou utiliser le comme boisson. C'est avec, c'est lui-même on prend pour laver rad. Mais lui-même encore, nous voyons que sur une machine, on parque une machine à côté de rivière, on lave la machine ensemble avec lui, et puis tout l'eau encore déversée dans la rivière. Ouais. C'est lui-même, si au niveau rural, on va jouer une bête, et la donne bête là, bête là déféquée la donne. Ou même tout, en plus, pour la plupart des fois, qui pa, pour des maisons qui pas gagnent, des ménages qui pas gagnent latrine ou sinon toilette. C'est la dent si moun grand moun déféqué que ce soit c'est non sachet ou voril etc. Donc façon on a maltraité de l'eau et c'est même l'eau ça nous prend nous mettre dans beau kit nous rentrer là caillou ensemble avec nous seulement s'il gagne pas nous voyer pas là sur côté et puis nous boire et puis mauvaise gestion ça mauvaise action ça qui nous fait avec l'eau qui en dans environnement c'est sûr que lorsque nous faisons à action comme ça feedback pas environnement pas le voir bah il pas un bon feedback. Donc c'est maladie, c'est l'amour qui parle bas. Donc ça c'est du point de vue écologique. Donc et si nous t'apprenons l'homme et environnement qui rapport, tu vois ça commence à débattre là, mais qui rapport comme si qui ça pour l'homme n'en fait pour bénéficier pleinement de l'environnement. L'homme non c'est seulement faut l'homme n'en connaît qu'il a une responsabilité envers l'environnement. C'est deux monde qui vivent en couple, une grande responsabilité envers l'autre. Yon connaît que je dis à ma boss ça ou même moi bam ça demain et puis nous maintenir synergie ça jusqu'à la fin et parler de environnement c'est parler d'un ensemble de dimensions par exemple tout exemple nous on prend pour là ça sont en dimension écologique. OK, maintenant nous gagne droit dans même émission ça
considérer d'autres dimensions. Par exemple, si nous considérons la dimension zootechnique, ou la dimension zootechnique ou la dimension zoonose, qui m'a bien aimé parler. Oui. En dans l'environnement, on joue les animaux, oui. Par exemple. Eh bien, animal fait partie également de l'environnement. Il a joué des pieds bois et nous-mêmes nous jouons de yo. Un animal ou capable de considérer comme un petit monde qui un animal affectif, un animal de compagnon, mais un animal là tout a servi de rente à activité économique pour leur vendre pour l'an, mon acheter les vendre, manger ou entrer en cop, comme ça rentrer dans la caisse la carreau, il servit ou payer l'école petit tout, ou faire toute activité de développement avec comme ça. C'est l'être leur vendre, c'est eux leur vendre. Mais si on a parlé d'environnement, on a parlé de animal. Gain l'animal qui nuisible toi à la santé etc. C'est parce que ça m'ta pas le souligner sur deuxième partie émission nous t'es dans contexte rapport l'homme gain avec environnement parce que là vous n'a pas un animal comme si je vais parler affectif tant que chat et chien etc. bah ça ou bien on l'autre prend animal on prend l'autre bête tout qui capable servir comme une rentrée économique mais gain tout qui nuisible à la santé que nous pas prendre dans deuxième partie moi au niveau environnement. Tout être vivant, ça veut dire que l'animal est capable de respirer. Tout être vivant, même quand on voit que les gens partent négatifs, ils ont un bénéfice pour l'environnement. Après, on bête qui mourit là, on bête qui est rempli de verre qui mange. Ou même si on veut monter sur eux ou m'en racher. On rafet ou pas supporter rafet on rafet mourir là de temps en temps on va fumer de temps en temps nous même nous gain tendance nous va fumer nous peser nous platine nous tuer mais fumer permet que toute carcasse toute cadavre qui gain sur la terre il peut le manger le filant avec en bataille donc même sur les animaux nuisibles eh bien il y a une grande importance pour maintenir synergie ça qui gain dans l'environnement et m'a prendre c'est avantage sur pour juste pour me finir l'idée que m'étais commencé là m'ta parler question de zoonose que nous t'ai dit que animal yo fait partie de l'environnement par exemple et m'étais commencé pour montrer comment animal là d'une part ils sont bagages qui important pour l'homme nous t'ai ouais partie économique c'est-à-dire que ou capable vendre bête là ou capable pour acheter les ou vendre ou capable ou jouer de l'être ou vendre l'être là œufs etc. mais même animal ça considérer que responsable de 70 à 80% de maladies infectieuses pour l'homme. C'est gros cause. Même animal ça tout à l'heure nous montre comment il est utile et par exemple dans une utilité il y a loisir tout par exemple on capturer animal dans forêt en Afrique etc. il y a le mettre dans parc zoologique ou même dimanche matin après dimanche matin dimanche après-midi samedi on prend toute famille dans parc zoologique donc il capable choix il capable utile avec le loisir également mais yo même yo responsable 70 à 80% des maladies infectieuses c'est-à-dire que maladies qui due à partir des microbes micro-organismes qui peuvent avoir une infection etc. donc si moi tout que gagner un élément dans la vie qui responsable 70 à 80% des maladies que ou même on capable prendre petit tout mari ou toute femme ou zan on capable prendre donc li aussi important pour ta supposé interpeller que qui j'en même pour me servir avec un élément on être vivant comme ça qui c'est animal nous gagne tout temps nous gagne chat la canon nous gagne chien nous gagne volaille etc. donc même ça moi même faut qu'on a moins poser cette question qui meilleure façon pour me servir ensemble avec est-ce que m'pas supposé développer un niveau de responsabilité pour que 70% ça même moi pas victime de lui-même nous capable considérer m'a pas prendre maladie n'a proposer n'a prendre maladie on après l'autre n'a pose là après pose là très bien parce que ça t'a intéressé moi plus parce que moi j'ai chat la caillou hein très bien gien moun qui gien chien la caillou comme si dans même gens comme si et bête là lui même lui utile ou comme si moi même si me pas chat tout obligé chercher côté ami côté comment m'a chercher yo parce que présence yo voulait dire un bagage pour moi comme vraiment on sensation de bonheur comme si faut me jouer à chat moi faut me bailler comme si gien l'autre bête tout par exemple on t'a parlé de l'aide bœuf de bœuf comme de l'autre et gien des maladies que bête ça au bail monde c'est vrai yo utile c'est vrai yo important pour nos relations ensemble avec yo j'en dis en faut nous connait qui gens que nous capable vivre ensemble avec yo pour nous mêmes nous pas tomber
malades dans parmi les gens qui prend 70% de maladies qui sortent dans la bête. Nous avons proposé de parler de maladies que les bêtes sont même capables de nous par rapport à la relation que nous avons avec eux. Parlez-le, nous avons. Mes amis, tendez une bonne nouvelle. Centre Kalouvi yon l'école cosmétologie nan niveau international. Nan Centre Kal l'école cosmétologie, estage pratique nan pays à tankou États-Unis, examen l'état ou même qui nan États-Unis, c'est yon garantie. Comme nous tout konsalye déjà, l'école la a dirigé par yon tricologiste certifié nan Institut américain tricologie. Les 20 niveaux cosmétologie a passé jeudi à même nan Delma 31, Rue Jacques Premier à côté la Pose Hôtel. Place limitée. Pour plus d'informations, relevez 31 53 55 39 43 06 42 85. Avec Centre Kaka l'école cosmétologie, soyons des créateurs de beauté. Centre Kaka l'école cosmétologie a fait tout esthéticien avec tout l'autre monde qui s'est intéressé que Centre Kaka gagne 4 séminaires qui programmé pour l'année qui va venir. Séminaire sur tes cheveux, séminaire sur maquillage, séminaire sur traitement cheveux, séminaire sur coupe et coiffure. Séminaire ça yo a réalisé avec spécialiste États-Unis tant en Haïti. Fini vite, fini augmenter connaissance pour qu'a faire plus l'argent. Pour chaque séminaire, c'est $50. À partir de janvier, on va payer $70. Passez jeudi à même dans Delma 31, Rue Jacques Premier, à côté de la Pose Hôtel. Place limitée. Pour plus d'informations, relevez 31 53 55 39 43 06 42 85. Avec Centre Kaka l'école cosmétologie, soyons des créateurs de beauté. Mesdames, chevin se fiatin? Si nous avons des belles cheveux bien fournis, mandez produits Centre Kaka. Gamme produits Centre Kaka bon pour cheveux naturels tant que cheveux permanents. Si nous avons grand monde qui a servi avec vous. Si cheveux rabonnés, vous ne prenez pas permanent, vous êtes tout calé, vous ne pas belle, vous faites chit, vous ne pas fourni, vous avez cap. Exigez produits Centre Kaka dans toute pharmacie, market et studio de beauté. Toute femme qui forme servi avec produits Centre Kaka. Relé Centre Kaka dans 31 53 55 39 43 06 42 85 pour information. Centre Kaka pour une chevelure à fière allure. Nous tournons après posant, pas oublier de suivre l'émission Bien-être et Beauté, une émission qui passe chaque samedi à 7h PM, chaque dimanche à 2h PM, chaque mardi à 8h AM. Émission Bien-être et Beauté est disponible sur YouTube. On y tape émission Bien-être et Beauté. On a besoin de toute émission qui passe depuis 2 ans. On a une émission sur 3e année. Donc, on a un choix de sujet d'intervenant pour choisir qui ça ou capable de garder. Émission est supportée par Centre Kaka centre de traitement capillaire, quel que soit problème cheveux ou bien cuir cheveux ou bien problème peau, ou bien c'est venir dans Centre Kaka dans Delma 31 ou Jacques Premier, tout prestation tap tap là en lemon. Ou capable reler pour prendre rendez-vous si c'est pour dermatologue là, mais pour l'autre service c'est chaque jour excepté samedi 8h 5h. Et ou même qui besoin l'école de coiffure en un temps record, 3 mois seulement, toute coiffure net. C'est venir inscrire dans Centre Kaka école cosmétologie, école de coiffure, gain école cosmétologie, inscription il va pas avancer, mais école de coiffure là, nous à peine ouvrir inscription parce que nous gain pile demande pour ça. Donc pour école cosmétologie a gain cours en semaine et gain cours spécial dimanche midi pour 5h. Donc nous à service tout le monde qui voulait apprendre cosmétologie dans standard international. Et l'autre spécial qui gain c'est que tout le monde qui inscrit entre 1er août à 19 août ou capable gain possibilité pour venir dans graduation promotion qui va sortir. Donc pressez vite parce que place est limitée. Jodi dans émission Bien-être et Beauté, on recevoir docteur Généus Louis Vanel qui c'est un spécialiste en gestion risque intégré sanitaire. Donc nous t'a parlé de environnement, nous t'a parlé de dans introduction émission de impact environnement capable gagner sous nous-mêmes l'homme. Et suivant ensemble avec nous, n'a pas gardez l'image et puis docteur Généus a interprété ensemble avec nous docteur Généus et nous allons parler de l'image. Bien merci. Vous capable font passer pour moi. Mettre passer. Mettre passer encore. OK, quittez là. Donc image ça moi venir ensemble avec avant même parler des zoonoses, il pourra permettre moi
et ou ensemble avec nous on dit moi élargir sous mot ça nous t'ai parlé tout à l'heure sous responsabilité. Hein, responsabilité nous envers environnement. Voilà maintenant tout proche nous là nous t'ai gagné pour gérer question problématique de choléra. Nous connaît tout ça choléra fait dans pays. Environ 10 000 morts parmi 800 000 personnes qui étaient infectées. Donc c'est sûr que presque chaque monde, chaque famille a un monde au moins qui est victime de choléra. Donc problématique choléra, li pa l'autre bagage, c'est juste une responsabilité que nous pas prendre vis-à-vis de l'environnement. Parce que choléra, li pa l'autre bagage, c'est bactérie vibrio choléra qui nous trouvait qui bon nous trouvait l'enclos glou rivière qui nous était dit la Tibonite etc. Donc trouver que nous mêmes qui déjà pas de grand bonne pratique avec glou, donc c'est glou ça nous prend nous rentrer là car ensemble avec et puis nous fait toute usage ensemble avec et puis côté que nous pas jouer dans épidémie que nous pas préparer pour lui et pourvu que nous pas puisque nous pas préparer pour lui il pas faire autant de morts dans famille. Donc ça c'est un exemple probant qui pour montrer manque de responsabilité, peut-être qu'il y a tout à manque d'éducation, non par rapport à l'environnement, manque d'éducation, comment nous servir à l'eau, comment nous servir à manger, que l'environnement, bah, non, manque d'éducation sur question hygiène, manque d'éducation sur façon de construire, car nous, ça nous relie à assainissement, problématique d'urbanisation. Donc ça, c'est un exemple que nous sommes capables de prendre de responsabilité. Nous sommes capables de prendre un deuxième exemple, très, très bien, pour nouvelle image ça. Côté que chaque jour c'est ça nous fait, c'est pratique ça nous fait, nous fin prend consommer manger hein, sacrer un vinon déchet là nous seulement retirer la caille nous la gueule plus loin la caille. Mais la gueule plus loin la caille, côté le tomber c'est encore dans l'environnement. Trouver que nous toujours oublier que nous encore fait partie de l'environnement. Et ben on pourra joindre que à cause de l'eau stagnante l'eau sale, manger, reste manger que nous prenons, nous jeter n'importe côté, eh bien, il pourra le constituer de vraiment des bons habitats pour des moustiques. Eh bien, moustiques-là, on prend des maladies, ils sortent bien de côté, on les jette là, et puis ils retournent ensemble avec lui encore, la canou, ils retournent ensemble avec maladie à la canou, là, pour le banou, malaria, pour le banou, Zika, chikungunya que nous songeait et presque tout le monde bagon pour tout pays mais pour n'importe quoi ça m'a dit c'était un monde qui pas de chikungunya. Tout ça encore c'est manque de responsabilité nous par rapport à l'environnement qui fait que les nous penser que nous finir en bagarre pourtant même soit finir depuis rester dans l'environnement la retourner sur ça c'est interaction qui dit ou dit peut-être pour nous développer ça c'est une image pour mon ensemble avec bête. Oui mais non mais ça nous font camper sur l'état là n'a venir. Ça me dit c'est que ou dit peut-être c'est même pas manque d'éducation qui fait que moun yo té mouri de choléra. On pas dit peut-être pas manque d'éducation. Gon bagaille culturel que haïtien toujours a répété. Et me songe les té gen choléra, c'était un acteur comme des cadion un professionnel qui était vraiment actif. Là ça me té fil coordinateur la Tibonite, c'est un monde qui té kon diriger cluster communication la Tibonite là ça. Donc mon yodou ma e, pa gen microbe ki kati haïtien microbe pati haïtien mais avec choléra moi me prend ça comme thème les m'a fait sensibilisation de masse pour me dire nous pas qu'on dit microbe pati haïtien mon yodou oui mais qu'on a ça nous ka dit oui choléra ti haïtien donc et ça choléra est son microbe son bactérie donc son c'est un pile travail qui pour fait et l'on regarder comme si pour travail qu'a fait dans média dans rencontre santé communautaire etc. qu'a fait mais grand pile toujours qui rester pour faire ça veut dire pas d'accord vous dites peut-être son manque d'éducation on nous dit bagala jeune ya mon yo pas croire que c'est même gens t'a dit mon nom songe les lavages des mains on dit mon nom avec laver mais seulement quantité comme yo payer dans vaccination dans c'est des bagaille laver mais t'a résoudre problème non mon yo trouvé que geste trop simple laver mais lors saute dans toilette avant manger t'a résoudre en pile maladie choléra typhoïde etc. Donc c'est pas peut-être manque d'éducation mais c'est sûr que bon problème manque d'éducation et gien les plus monde nan pi nan classe qui pi défavorisé a gien des gens monde nan grand goût ba collège jeune manger premier réflexe ça c'est laver main il tellement grand goût premier réflexe ça c'est mettre dans bouche ba kon sou d'accord avec ça bon nous pas faire une discussion ensemble avec ça nous songer lorsque tu guerre question choléra tu grand pile acteur moi même tu chef de projet là dedans etc. Tu un nan qui était important pour nous tu toujours parler c'est changement de comportement oui. changement de paradigme
qui pas facile du tout. Oui. On monde fait combien siècles un comportement un peu plus et pour son comportement et puis on joue console ou lever ou 10 monde pour changer comportement nous te toute réfraction nous te joindre par rapport avec monde ça et pour question yo pour comprendre ça créer les changements de comportement ça mais de toute façon quoi tout grand peu l'effort qui fait bien que grand peu l'effort qui reste encore pour faire mais grand peu l'effort qui fait surtout au niveau de l'école ouais ti moun qui pi ba ça joue yo même yo gèt en pratique là et puis me penser que grand génération li même qui a grandi qui au moins yo même y a connaît et un ensemble de comportements pour gagner vis-à-vis à vie et hygiénique la caillou que ce soit laver mais que ce soit manger et pas penser besoin ba un pile message non laver mais en suffit pour résoudre un pile problème. Donc docteur Généris n'a pas avancé avec thème yo n'a parlé de maintenant nous capable rentrer sur zoonose là zoonose au fait c'est disonose c'est ouais interaction entre animal yo et l'homme. Oui parce que nous gagne image là ouais nous pas besoin retourner dit tout ça nous dit par rapport à importance animal là mais et zoonose alors rapidement on a défini zoonose là c'est maladie côté que bête capable bail monde en même temps tout c'est monde capable bail bête lui lorsque monde bail bête lui nous parler dans zoonose inverse ou c'est inverse ou inversé par exemple si monde gagne rage il gagne rage il s'il mord un bête bête la prend virus rabique là donc la vienne gagne rage. Si mon nan gen virus grippe aviaire H de souche H1N1 li capable bay bet li. Si mon nan gen cysticercose hein li toilette et puis on cochon li toilette par exemple nous même qui toilette non rage et puis ces cochon passé là et puis nan manger li joine toilette la cochon manger ce cochon a contaminé la gen cysticercose. Donc nous on voit que c'est pas seulement bête qui capable bay moun maladie mais moun aussi capable mais ça que nous connons en général dans 70 à 80% hein, c'est bête qui baille moun ne. Et à travers gens à vivre à travers interaction donc par exemple une maladie que nous capable considérer au cas passé pour moi s'il vous plaît exactement nous capable considérer leptospirose pour moi même penser que c'est son problématique en Haïti peut-être qu'ils savent parce que son maladie qui est mal connue jusqu'à présent par cliniciens, les praticiens en Haïti. Et pourtant, il y a beaucoup de cas de leptospirose en Haïti. Tout récemment, au mois d'avril ou au mois de mai, moi, je recevais des étudiants africains, capitaux de Belgique, moi, je recevais juste pour me encadrer, tes mémoire, etc. Donc, ils ont eu un projet de travail, Cité Soleil et la Tibonite, surtout des dunes, etc. Donc, c'était une expérience qui était très importante pour moi parce que moi, j'étais vraiment à travers. J'étais un peu travail sur leptospirose. C'est là que ça m'a vu vraiment que les gens qui ont une maladie n'ont pas d'importance en Haïti. Déjà, au niveau de la santé publique, ils ont dit que c'est une maladie à investiguer. Donc, ce n'est pas prioritaire pour eux, c'est juste à investiguer. Non, mais c'est grand pile monde qui mourit là-dedans. C'est voilà et ça m'a tout donc même les mal souterrain avec africain ça qui t'a fait titre là nous ouais dans focus group ou soit dans enquête qui nous t'a fait moi même pas connait combien cas moun moi ouais qui présentait symptômes leptospirose. OK maintenant si c'est la tibonite si c'est cité soleil yo dit diable manger yo maintenant la tibonite yo dit c'est fièvre jaune pourtant on n'a pas de fièvre combien temps moun nan prend l'aile pour maladie pour mourir donc c'est ça c'est temps d'incubation qui parle baoul mais il y a plusieurs types de leptospirose on capable de une à deux semaines pour un type de leptospirose mais pour l'autre il prend plus de temps ou il reste moins de temps donc aspect clinique là et aspect santé publique là nous même nous valoriser c'est-à-dire que premièrement avant d'entrer dans l'aspect clinique là faut qu'on connaisse que ça sont on cas qui existait son problématique qui existait pour qu'elle lui référer là avec aspect clinique là. OK. Donc la tibonite là on garder mon lit sous fièvre jaune et puis lit sous petite lit mourir avec maladie ça etc. Donc c'est leptospirose la décrit la parole de Richter dans conjonctive la parole de petit jaune. Donc on fait émission sur ça. La parole. Alors que leptospirose ça parle de bagage son maladie qui c'est rat qui baille. Et grand pile rat dans tout pays net.
comment rate la bali? C'est s'il mange manger ou bien si qui ça qui jeune bali? Donc rate là encore malheureusement, il fait partie de l'environnement. Oui. Donc on va voir que rate lui-même il porteur de micro-organismes là. OK? Donc rate lui-même une fois qu'il passe sous manger, il pipi, il toilette sous lui et puis on prend manger ça qui souillé ou elle mettre dans bouche ou manger ou contaminé. Li gen li morde tout hein rat la bon presque tout monde dans enquête là question morde rat morde moun nan bon c'est ton bagage normal tout monde d'accord que rat morde non c'est comme si on la tout ça c'est normal rien l'autre pas encore qui était dévoilé dans étude ça avant même rentrer dans facteur dans phase on est là dedans c'est que et gen nous dans la radio, nous attendons qu'ils sont en grand pile, rats, tibouns, qui ont mangé, etc. Malheureusement, ce qui est lié avec un autre problème écologique, dit écologie, c'est environnement, c'est que rats, habitat, on dit de l'autre façon. Gain, ça a été mangrove, qui sont pieds bois avec, ils ont fait coufrage, ils bâti cave, ils ont coupé pour faire charbon, etc. La petite bonne est plein mangrove, mais malheureusement, vraiment, il y a un abus d'abattage de mangrove. Alors, ce que racine de mangrove, ça a constitué d'habitat pour la nature. C'est là, il y a vu, là, ça a les bois durs. Bois durs. Et là, il y a qui, la caille de la nature. Maintenant, l'on coupe, donc, quand là, on mettait la nature. Donc, la nature n'a pas l'autre choix, c'est seulement l'idée à le réfugier li dans des digues, côté qui ont fait pour question rizière, côté qui ont fait pour production du riz, c'est là rat la obligé à retrouver. Donc non seulement rat la vinn gon l'autre habitat, li vinn gen du riz pour manger, qu'il tire et puis la rentre dans gen possibilité rentrer dans dépôt pour manger. C'est vrai que gen l'autre hypothèse qui dit que son semence matinon, mais scientifiquement nous te gen droit pousser étude ça pour nous question corrélation qui gen entre rat cap manger du riz avec mangrove là. Donc c'est bon. Ça intéressant. Moi besoin arriver ensemble avoir pour moi établir une triade. Nous parler de rat, nous parler de mangrove. Nous parler de monde qui tombe malade de leptospirose, c'est pas vrai? Oui. Donc triade ça nous est rat. Rat tout c'est l'environnement, nous est monde. Donc à chaque fois nous gon triade bête, monde, environnement, on est au niveau de one elf. On est c'est ça, c'est ça. C'est environnement. Bête. Monde. Et puis qui ça? C'est toi. C'est environnement, c'est bête, c'est monde. Oui. Donc trois dimensions ça y est pour le faire, à gagner en l'autre façon pour penser lorsque y a un problème en santé. Par exemple, monde ça qui tombe malade de leptospirose là, il te renvoie à l'hôpital. Il te renvoie à l'hôpital et puis au bal médicament qu'il faut et puis le traiter, c'est pas vrai? Oui. Maintenant, est-ce que vous pensez que c'est la meilleure façon pour ta traiter leptospirose? Ça veut dire on monde qui a traité mais il reste monde. Donc ça fait que vous pas vous venez avec nouvelle approche on elf ça côté que vous mettez en évidence une approche holistique côté que oui n'a traité monde yo mais faut nous aller dans les causes, faut nous aller dans pour couper mangrove là. Non, au contraire. Faut pas ta couper. Faut pas ta couper. C'est ça me dit. Faut pas ta couper. Faut pas ta couper pour être rester habiter la caillou. La caillou. OK. Donc tu vois c'est là c'est que que environnementaliste yo prend responsabilité yo, que vétérinaire yo prend responsabilité yo, que médecin humain yo prend responsabilité yo, yo tout a joué rôle yo mais autour de un seul objectif qui c'est gestion de une maladie, qui c'est gestion de leptospirose qu'on a parlé là. Ouais. Donc pour nous répéter à chaque fois nous en face trois problématiques ça on parle de Ronelf. Donc et ça fait que si c'est on manque de responsabilité de trois entités ça qui t'est venu faire une maladie nous capable faire réaction inverse là que trois entités ça prend responsabilité travaillent ensemble pour résoudre problème là. Et même problème ça nous capable prendre l'autre exemple qui c'est la rage, la problématique de la rage ça tout on connaît parce que rage là il est très répandu. Voilà. Il est très répandu, mais par contre, comment il a fait éradiquer. Éradiquer. Donc, après pose là. Après pose là, et puis on a tourné pour nous parler de rage là. D'autres maladies que bête sont capables de nous. Ou bien nous-mêmes, nous sommes capables de bête. Mais comme nous avons pris inversé, nous avons pris zone normale là.
ou mettre branché dans tourner. Mesdames, cheveux c'est fiatin. Si vous avez des belles cheveux bien fournis, mandez produits sans tracaio. Gamme produits sans tracaio bon pour cheveux naturels tant que cheveux permanents. Si moun kon grand moun ka servi avec yo. Si cheveux rabonnés, yo pa prendre en permanent, gote tout calé, yo pa belle, yo fait shit, yo pa fourni, yo gen cap. Exigez produits sans tracaio dans toute pharmacie, market ak studio de beauté. Toute femme qui femme servi à produits sans tracaio. Relais Centraca dans 31 53 55 39 43 06 42 85 pour information. Centraca pour une chevelure à fière allure. Centraca l'école cosmétologie a fait tout esthéticien avec tout l'autre monde qui s'est intéressé que Centraca gagne 4 séminaires qui programmé pour l'année qui va venir. Séminaire sous tes cheveux, séminaire sous maquillage, séminaire sous traitement cheveux, séminaire sous coupe et coiffure. Séminaire sa yo a réalisé avec spécialiste États-Unis tankou en Haïti. Fini vite. Fini augmenter connaissance ou pour ka faire plus l'argent. Prix chaque séminaire c'est $50 américains. À partir janvier, ou a payé $70 américains. Passé jeudi à même dans Delma 31, rue Jacques Premier à côté la Pause Hôtel. Place yo limité. Pour plus information, relé dans 31 53 55 39 43 06 42 85. Avec Centraca l'école cosmétologie, soyons des créateurs de beauté. Mes amis, tendez, une bonne nouvelle. Centraca l'ouvre l'école cosmétologie dans niveau international. Dans Centraca l'école cosmétologie, et stage pratique dans pays tant aux États-Unis, examen l'état ou même qui dans États-Unis, c'est une garantie. Comme nous tous connaissons déjà, l'école là a dirigé par un tricologiste certifié dans l'Institut américain Tricologie. Les 20 niveaux cosmétologie, passé jeudi à même dans Delma 31, rue Jacques Premier, à côté de la Pause Hôtel. Place limitée. Pour plus d'informations, relevez dans 31 53 55 39 43 06 42 85. Avec Centraca l'école cosmétologie, soyons des créateurs de beauté. Nous tournons à préposant. Pabli ou suivre l'émission Bien-être et Beauté. Une émission qui passe chaque samedi à 7h PM, chaque dimanche à 2h PM, chaque mardi à 8h AM. L'émission Bien-être et Beauté supportée par Centraca École Cosmétologie, une école de standard international. Pressez vous inscrire pour participer à la graduation qui a fait 26 août. Donc, nous avons fermé l'inscription 19 pour tout le monde qui voulait venir. Inscrit dans l'école là et année ça nous ouvrons école de coiffure en 3 mois. Chaque 3 mois, nous avons une session de coiffure qui finit. Donc, pressez vite toute qualité de coiffure là-dedans. Même Jouet n'a pas montré faire là-dedans. Donc, pressez vite. Je dis à l'émission Bien-être et Beauté, nous avons parlé avec Dr. Généus Louis Vanel. Nous avons parlé de environnement et santé. Et sous fait brancher, ou reprendre l'émission, soit dans la reprise ou bien sur Internet, sur YouTube. Nous avons parlé de zoonose. Yeah. On enrage. Nous ouais à travers les toxiques comment que nous capable faire sortir approchons les flacs qui sont une nouvelle approche en santé publique. Nous capable nous maintenant nous parle pas enrage, OK? Que rage c'est pas pour seulement Haïti qui ils sont gros problème. Pour le monde entier selon OMC, c'est 60 000 monde qui mourent par année par rage. Nous même en Haïti nous avons 130 cas rage en moyenne chaque année. Et pour tout Américain, c'est Haïti qui toujours gagne plus de cadres chaque année. Mais ça qui passe donc? Oui. Ça qui passe, c'est même ça n'a pas l'air, c'est niveau de responsabilité ça. Bon, peut-être nous retient encore, peut-être c'est manque d'éducation qui fait que nous pas capable de responsabilité. Quand tu es un jeune âge là? Attends, je vais venir. c'est responsabilité que nous pas capable. Donc, nous passons de 900 à 1,2 million. Des chiens dans l'aria ou tout partout. Donc, autant que nous avons des chiens, autant que nous avons plus de chances pour nous faire une rage. Qui peut nous faire une rage, c'est encore le manque de responsabilité. Qui pratique nous gagner, nous avons pratique depuis nous faisons manger la caille, nous restons manger à nous prendre, nous jeter l'enrage par exemple. Donc, chien la caille, nous, malheureusement, tout haïtien remet des chiens, en plus haïtien. Bon, nous dit la majorité des haïtiens, selon la sociologie, nous. Haïtien remè gen chien, mais il pa bal manje tout chien yo obligé sorti dehors dans fatra dans pour dépôt fatra pour
manger. Oui, à manger. Et des fois tout c'est enragé à manger. Rager côté gain fatra. Donc moi tout que responsable manque de responsabilité nous fait comme c'est dans fatra je ne rage là. Non, attends. Donc c'est que chien à manger. Quand elle mange, qui mange, morceau de viande, morceau de pain, etc. Donc, par exemple, elle mange non rage. Dans la rage, il y a une autre bête qui existe. Mais dans le cas de rage, ou pas jouer une mangousse, ou pas jouer une rage. Ou pas jouer une chauve-souris. Donc, ou pas une chauve-souris ou pas une mangousse. Donc, ce sont des animaux, côté que vous avez réservoir virus rabique, là, virus rage. Là. Mais ou même li pa fè rien. Li pa fè rien. Yo pa yo pas développer rage. Mais moun yo mordé, yo bat ensemble avec yo mordé espèce ça chien, moun et cetera, a développer rage. C'est ainsi que les chien la caille par exemple nous ka considérer un scénario comme ça. Ou gen chien la caille ou pas bal manger, c'est dans rage là manger, li jeune avec l'autre bête qui infecté déjà des rage, supposons que nous prend un chien qui était al dans rage, li joine mangousse en mordé parce que mangousse en trouve une chercher manger. Donc chien ça lui-même qui est infecté commencer par l'autre chien qu'il pas jeune dans fatra parce que c'est dans fatra seulement le manger donc comme ça virus là a propagé lui jeune dans l'autre chien lui manger lui mordel propagé et même chien ça retourner là car au plus tard lui jeune chat là lui mordel lui jeune petit tout qui cap jouer ensemble avec lui mordel donc exact fait selon littérature on pas joindre et c'est surtout petit monde de plus de 2 ans à 15 ans, ça veut dire qu'il toujours un chien qui joue ensemble avec chien qui joue qui toujours gagne cas de rage. Donc nous on cycle nous ensemble là on cycle maladie ça. Nous parler de chien nous pas capable manger. C'est nous même encore que te voyer manger en rage comme fatra. Chien nous al chercher le côté te voyer nous te capable chien fatra depuis la caille nous. Non à chercher manger dans fatra, il joue avec mangousse qui bal maladie et maladie ça qui peut retourner sur nous non seulement la bail l'autre bête nous sous gain bête et ou élevage faire dans cas là bœuf cochon etc. chaque mode autour donc tout a tombé gain rage donc la mode autour même qui peut kimber ou elle mode petit monde là et pour pas séparer ou pas kimber ou pas même connaître ces rage a voler sur tout la mode donc tout dit que nous un cycle de transmission ça. Et pourtant, si nous faisons une réaction inverse, ça veut dire que nous coupons la chaîne de transmission, c'est-à-dire que bien gérer l'environnement, connaître comment pour gérer le fatra, c'est-à-dire déchets ménagers, nous connaissons que ce n'est pas dans la rage pour nous jeter, ce n'est pas dans le coin de l'arrière pour nous jeter, ou tu as coupé la chaîne de transmission virus. Ça veut dire que la chaîne de transmission est toujours allée, mais pas dans la rage. OK. OK. Maintenant, là encore, nous établissons la triade. Là. Oui. Ou est chien là, ou environnement, ou est mon petit tout, ou même qui vient tomber malade. Okay. Donc, non, c'est fait ça. Hein? Donc, par feedback, il retourne sur. Donc, on maladie comme ça, côté que gen triade, l'on peut faire approcher pour traiter, c'est on approche un elfe qui parle meilleur pour. Là, c'est que côté que un vétérinaire parle. Supposé prendre responsabilité pour dire comment pour gérer chien la caillou pour vacciner parce que chien te doit sortir à l'enfatra mais le fait qu'il vacciner contre rage il pas contracter virus sans peut-être ça il te doit tout il pas un bon bagage pour quitter chien aller dans la rue pour les pour la chercher manger vétérinaire ils ont ensemble de travail ils doivent ensemble faire ensemble avant mais au même tout non mais est-ce que l'état prend responsabilité pour vacciner tout chien yo? Mais la première responsabilité c'est vous même parce que chien là il est pour c'est pas l'état ça fait partie des responsabilités qui n'a pas lié pour l'environnement c'est responsabilité pas nous pour qu'on ait un chien signifie que faut bal manger sous voulez un chien faut qu'à bal manger faut capable mener le cas vétérinaire faut capable bal vaccin ça son responsabilité l'autre responsabilité on encore on connaît que ou pas jeter fatra dans la rue donc dans le cas qui est une maladie etc. Donc nous dit que veto yo a pour responsabilité yo environnementaliste gagne pour faire sensibilisation avec ou même et ménage nan caillou pour connaître comment pour faire gestion fatra yo et puis les moun malheureusement ti moun ou même qui tombé malade là entre l'hôpital donc médecin en traité ça qui triste nan rage c'est que pas gen moun si gen tan gen rage ka sauver c'est ça qui la rage c'est une maladie à létalité 100%. Une fois que ou il déclare malade ou va mourir quand même quand bête qui au monde va mourir c'est ce qu'a fait si ou chien gétant il fait monter
OK, il fait monter ou gagne droit gagne en pile intervention qu'on capable faire par exemple moment le mode là c'est même moment pour laver là avec savon pour empêcher que en quantité de virus migre pour aller dans le cerveau pour faut devenir enragé. Maintenant, faut aller dans un centre, faut aller dans l'hôpital pour avoir vaccin antirabique. Et vous arrivez pas gagne. En général pas gagne. En général pas gagne, mais ni mais tristesse là. C'est donc mais nous qu'à éviter, faire prévention, nous pas besoin de tomber là, vacciner chien, ça est pour veto ou même pas jeter fatra dans l'aria, ça c'est pour environnementaliste et pour même tout si ou pas chance ou pas mauvaise chance et puis ou tu tombé malade, aller quand on médecin. Donc on croit que à partir de d'exemple ça nous clair sur triade ça n'a pas l'air qui c'est trois dimensions côté que et nous fait une nouvelle approche en santé publique qui c'est on est grand pile l'autre bagarre que nous était capable de dire sur question on est par exemple là m'a parlé de on est là m'a parlé de un problème épidémiologique un problème en santé publique mais et médecin gain doit travailler autour de un seul objectif environnementaliste gain doit faire vétérinaire gain doit faire tout mais nous pas besoin un bon communicateur qui pour faire message à passer donc là nous on l'autre dimension. La première dimension, c'est la dimension interdisciplinarité, c'est-à-dire que nous prenons discipline. Multisectorielle, etc. Attends, nous prenons discipline médecine, nous prenons discipline vétérinaire, nous prenons discipline environnementaliste, qui est un agronome, n'importe qui, un hygiéniste, un environnementaliste. Mais nous avons besoin d'autres l'autre secteur qui pourrait entrer. Par exemple, communicateur, nous avons parlé. Nous avons besoin de tout, il y a un bon. Et sociologue hein anthroposocio qui pour parler ensemble avec nous par exemple t'aller à Mzotion baga nous dit en général haïtien remet garder chien remet gain chien donc faut que nous t'agon sociologie qui pour faire un rapport entre amour ça que nous gain pour chien et maladie ça ou sa maladie ça yo que chien capable ba nous et font lien ou tu moins chercher on corrélation oui. Nous parler de choléra tout à l'heure mais faut qu'on un ingénieur qui pourra faire urbanisation donc lorsque nous parler de triade là à elle seule n'est pas suffisante donc triade là capable considérer un comme aspect interdisciplinarité mais on a besoin et aspect multisectoriel là l'autre secteur qui pas capable rentrer qui pour rentrer donc en gros c'est ça que nous capable dire mais nous toujours souligner un seul bagage qui c'est responsabilité environnement ba nous mais nous même nous gè responsabilité avant nous aller docteur Généus n'a rappelé avec public là que samedi dimanche 5 on a une conférence Montana avec ISPEC Université Adventiste et l'hôpital Adventiste qui a fait une conférence si on monde voulait aller c'est demain si Dieu veut à et pendant toute journée a bien expo santé et puis a bien conférence débat c'est pas cher c'est 250 good frais de participation pour que les gens capable aller poser question à bien l'autre intervenant à bien deux étrangers plus trois haïtiens je crois ou même docteur Patrick pas changer l'autre intervenant donc on monde qui intéressé pour même capable regarder émission là soit là donc ou capable aller demain si Dieu veut Montana 250 good et puis pour participer dans conférence ça qu'a fait sur expo santé donc émission arrive dans fini c'est le moment pour dire dernier mot vous remercie en pile parce que vous êtes rendu disponible pour être capable de faire tirer chance avec nous et me penser public là très satisfait et me penser que c'est première fois venir émission Bien-être et Beauté c'est pas pour dernière fois docteur mais j'espère que à travers tout ça nous capable dire hein, et public là aussi les téléspectateurs yo capable jouer de ça nous disant là nous parler de responsabilité envers et environnement me penser que si nous plus responsable envers environnement nous capable gain de meilleur bien-être hein et me pense que un monde qui toujours jouit de bonheur ou de bien-être capable tout jouir de en beauté donc nous soulignons ça responsabilité parce qu'environnement pas aucun problème avec nous pour nous tout ça nous gain besoin pour nous-mêmes nous gain bien-être nous et nous-mêmes nous seulement ti action que nous pour nous faire prendre responsabilité nous envers environnement pour que environnement ba nous meilleur sale qu'il capable ba nous pour nous jouir de ça nous supposé jouir en tant qu'être vivant. Merci encore, Dr. Généus Luvanel, qui t'a invité nous aujourd'hui à l'émission Bien-être et Beauté. Je nous dis, émission disponible sur YouTube. Et puis, regardez l'émission, suggérez-nous, toujours continuez à faire ça. Et puis, ou même tout qui a un business, qui remet l'émission Bien-être et Beauté, capable toujours supporter nous financièrement. Et nous, même avons bonne visibilité et nous avons bon échange pour nous capable faire route ensemble. L'émission a 3 ans. Donc,
on fait route ensemble pour capable gagner 10 ans, 20 ans, 30 ans. C'était avec Léonie Desroses, infirmière trichologiste, qui a dit que le remède en pile. Libre rendez-vous pour la semaine prochaine pour une émission qui est plus belle que ça. Mes amis, attendez, une bonne nouvelle. Centre Akalouvi yon l'école cosmétologie nan niveau international. Nan Centre Akal l'école cosmétologie, estage pratique nan pays à tant pour États-Unis, examen l'état ou même qui nan États-Unis, c'est yon garantie. Comme nous tout konsalye déjà, l'école la a dirigé par yon tricologiste certifié nan Institut américain tricologie. Les 20 niveaux cosmétologie a passé jeudi à même nan Delma 31, Rue Jacques 1er à côté la Pose Hôtel. Place limitée. Pour plus d'informations, relevez 31 53 55 39 43 06 42 85. Avec Centre Caca l'école cosmétologie, soyons des créateurs de beauté. Centre Akal l'école cosmétologie a fait tout esthéticienne avec tout l'autre monde qui s'est intéressé que Centre Akal gagne 4 séminaires qui programmé pour l'année qui va venir. Séminaire sous tes cheveux, séminaire sous maquillage, séminaire sous traitement cheveux, séminaire sous coupe et coiffure. Séminaire ça yo a réalisé avec spécialiste États-Unis tant qu'au en Haïti. Fini vite, fini augmenter connaissance pour qu'a faire plus l'argent. Prix chaque séminaire, c'est $50 américains. À partir de janvier, vous payez $70 américains. Passez jeudi à même dans Delma 31, Rue Jacques 1er, à côté de la Pose Hôtel. Place limitée. Pour plus d'informations, relevez 31 53 55 39 43 06 42 85. Avec Centre Caca l'école cosmétologie, soyons des créateurs de beauté. Cheveux ou ap kase, ou gen chit, ou gen problème santé, ou besoin conseil sur nutrition ak sport, émission bien-être et beauté, c'est un espace côté nous discuter des impacts la santé, la propreté ak environnement gagné sur bien-être monde. Émission bien-être et beauté a passé chaque samedi 7 p.m., mardi 7 a.m., vendredi 4 p.m. Émission bien-être et beauté, c'est une émission tout neuf qui a passé chaque samedi à 7 h.m. Relais Centre Akal dans 43 06 42 85 pour information. Émission Bien-être et Beauté pour être belle et en santé.